tiens. Donc là, j'ai pris 20 agneaux. J'ai cuisiné le poisson salé avec la fade d'arachide, de l'eau coco. On appelle ça en 3 pièces. J'ai acheté la pâte d'arachide et le coco. Oui, pour faire le 3 pièces. Oui. J'ai déjà le poisson salé que j'avais acheté avant, donc aujourd'hui j'ai seulement essayé de compléter. Je prépare le sakasaka, la bread, et je fais aussi des haricots blancs. Et dans des haricots blancs, je veux faire comme viande. Je peux faire soit la viande arrière ou soit le queue de bœuf. Je fais aussi des bouillons de makwala. Makwala, c'est le poisson d'ici. On appelle ça makwala. Souvent, ce sont des poissons fumés. Je fais le makwala fumé. Ça, je vais acheter ça au grand marché. J'ai payé ça hier. Ce sont des tomates et des oignons. Demain, je vais faire un bouillon de coque. Poisson. Et là, ce que je sens pour le cuisinier, c'est une cuisine africaine. C'est un repas africain. L'onganda, on dit pas l'onganda, on dit l'onganda. Donc on dit onganda. C'est là où on vend la boisson locale, que ce soit les importés. C'est là où on appelle l'onganda. Ce qu'il faut pour monter l'onganda, il faut avoir de l'argent. À peu près 600 000 francs. Pour le 600 000, il faut acheter un congélateur. Il faut aussi avoir quelques casiers, au moins 6 à 5 casiers, et 24 chaises et des tables et le loyer. J'ai choisi ce métier parce que j'ai travaillé chez quelqu'un comme une serveuse. Et c'est là qu'en travaillant, et ça m'a plu. Et j'ai aimé ce métier. J'ai fait un barbecue, souvent parce qu'il y a des clients qui viennent en Ouganda et qui demandent des brochettes. Un casier de bière et je gagne 850 francs. Mais ça dépend des bières. Parce qu'ici, on a la primousse. Et la primousse et l'angok, c'est le même prix. Mais la mising, c'est le prix différent. Donc, dans le casier de primousse, je gagne 850 francs. Et dans le casier de mising, je gagne 1300 francs. Dans le casier, il y a 12 bouteilles. Il y a des jours que je vends 5 casiers par jour. Il y a d'autres jours que je vends plus que ça. Donc, je n'ai pas l'idée de dire tout le jour je vends tant de casiers. Ça dépend. Ce n'est pas facile pour la femme d'ouvrir un Ouganda et tenir le Ouganda. Ce n'est pas facile. Je vous explique. Oui, allô? J'ai commencé à gagner ma vie un peu quand j'étais encore à l'âge de 14 ans. C'est là que j'ai commencé à vendre. Je vendais, j'avais une petite table dans le quartier là où je vivais avant. Je suis debout depuis 7 heures. Je travaille de lundi à lundi. Et je commence à travailler à 9 heures. Et à 9 heures jusqu'à... Et des fois que je finis à 23 heures, il y a d'autres jours que je termine, je rentre chez moi à 1h du matin, 0h. J'ai fait le riz mélangé avec des lardons et plus l'angousse. Et là, de l'autre côté, ce sont des sables. On dit boum, boum, j'ai tout fait. Espace sans frontières. J'ai dit boum.